Je vous ai manqué parce que moi vous m'avez manqué. C'est le retour des vlogs random. Ça fait un an pour de vrai que la dernière fois que j'ai posté mon vlog random. C'est pas du tout français ce que je raconte. Aujourd'hui je vais à Versailles pour... J'ai oublié. Aujourd'hui je vais à Versailles pour les éditions Château d'Âme qui vont nous faire une petite visite. On doit arriver pour faire une visite du château vers 15h, enfin un peu avant 15h. Et je suis très contente d'avoir été invitée parce qu'en plus, bon j'avoue le château de Versailles c'est un peu à l'autre bout de chez moi mais je suis pas à ça près. Pas très grave. Et ensuite ce soir j'ai rendez-vous chez PKJ pour aller voir la sortie de la série Geek Girl qui est sortie le 30 mai. Et du coup ce soir on fait le visionnage dans la maison d'édition. La mienne, j'ai un gros dilemme, je sais pas si je devrais ramener avec moi This Time Is Real de Han Yang qui est sortie chez PKJ pour pouvoir faire une photo à Versailles. J'avoue si j'avais eu assez de place et assez de épaules parce que je vais avoir mal au dos, j'aurais ramené un automne pour te... non un printemps pour te succomber parce que comme ça j'aurais pu faire ma photo. Mais sinon je sais pas si j'apporte Force Wings avec moi. Ah mais c'est un relier dans le métro. Je pense que je vais prendre This Time It's Real parce qu'en plus je vais chez PKJ ce soir donc c'est pas une mauvaise idée. Comme vous l'avez compris, nous nous dirigeons à Versailles pour le lancement de la maison d'édition Château d'Âme et ses nouveaux romans. C'était mon premier événement depuis que j'étais rentrée des États-Unis, alors c'était un peu les retrouvailles avec tout ce milieu de l'édition, des livres, de l'influence. C'était assez particulier, mais c'était vraiment super sympa. On a fait une visite de groupe, du coup j'ai découvert des salles dont on ne peut pas accéder quand on n'est pas en groupe. On a eu une guide qui nous a parlé de l'histoire de Louis XIV, de Louis XVI, de Marie-Antoinette de façon hyper moderne, du coup j'ai trouvé ça super intéressant. Là on voit bien la chambre rouge de Louis XIV, vraiment le mec s'était bien mis dans l'ambiance. C'était super sympa de redécouvrir le château d'une manière différente, je me suis vraiment beaucoup amusée. On est enfermés dehors. Merci. J'ai enchaîné en allant dans les locaux des éditions Pocket Jeunesse pour aller voir une projection de la nouvelle série Geek Girl qui est sortie là il y a pas très longtemps. Regardez qui j'ai retrouvé. Les copines. Et on est là pour la projection de Geek Girl qui est sortie sur Netflix. Qu'est-ce que t'en as pensé toi de la série? J'ai adoré, je pense que je vais regarder tous les autres épisodes ce soir. C'est vrai? C'est le goal de ce soir? Ouais, mais moi j'aime trop les séries comme ça. Direction l'événement Hugo New Romance pour la nouvelle sortie de Morgane Moncomble, Un été pour te retrouver. Ils avaient privatisé tout un espace, c'était vraiment super chouette, on a hyper bien mangé, on a hyper bien discuté. C'était vraiment un super moment hyper convivial bah, pour fêter un peu la sortie de l'été aussi, c'était vraiment super génial. J'ai retrouvé mes copines comme d'habitude, donc comment vous dire que j'étais super contente et heureuse. On a passé un super moment, ensuite on a eu Arthur et Morgane qui nous ont fait un petit discours qui était vraiment super émouvant et trop cool. Direction maintenant la soirée Comète dans le Mobster Bar qui est un bar secret, caché. Avec Garance, quand on est arrivé, on s'est dit c'est quoi cette grosse blague? On dirait un bâtiment abandonné, c'était désert, on s'est dit c'est quoi ce délire? On s'est réunis pour la sortie de When the Kings Fall, le tome 1, qui est une histoire de vampire. On s'est trop bien amusé, il y avait des petites activités, on a hyper bien rigolé, c'était petite soirée thème rouge et noir. Là, on nous a fourni des petites enveloppes hyper sympas pour savoir quel était notre rôle dans le jeu. Vraiment, on a passé un super moment, on a bien discuté, et puis j'ai pu en apprendre plus sur la maison d'édition Comet, que je ne connaissais pas plus que ça. Rendez-vous dans la librairie La Moitrieuse pour le nouveau label Waves chez Delcourt. C'est un label de romans graphiques young adultes avec au programme des adaptations de romans mais aussi des créations. C'était après-midi, thé et automne, on nous a fait une petite présentation du catalogue à venir et je peux vous dire que ça promet pour l'année 2025, ils sortiront environ 6 titres par an, le premier étant Fangirl de Rainbow Rowell. On a enchaîné par une activité écriture, Amélie était en train de chercher des prénoms de garçons pour notre protagonisme dans les films Pirates des Caraïbes parce que notre thème c'était les pirates. Ah oui, c'est proximité forcée, hein. La sœur qui hésite entre l'amour et la fraternité. Le bateau pirate. Le requin qui fête son anniversaire avec... Terre en vue. L'atelier écriture qui tourne en n'importe quoi. C'était génial parce que tous les groupes se sont pris au jeu et ont créé des superbes histoires, mais toutes très différentes. Il y avait un cadeau surprise à la clé et comment vous dire qu'on était sûr d'avoir perdu. Donc pour le bien de vos oreilles, je ne vous ferai pas écouter ce qu'on a écrit, mais on a bien rigolé.
qui était drôle, c'est que pendant que je lisais l'histoire, Sam nous montrait son fabuleux dessin. Tout le monde a gagné, c'était un moment très convivial. Rendez-vous au Pachamama pour la sortie de Valentina de Azrarit chez Hugo Dark Romance. L'endroit était super chouette, c'était sur 2 étages, j'ai retrouvé toutes mes copines. Il y avait plein d'activités prévues, comme un photobooth, mais une voyante, des tatouages éphémères et des bracelets personnalisés. J'en ai fait avec mes initiales et celles de mon copain. Ensuite, c'était au tour du discours de Arthur et la lecture d'un chapitre de Valentina. Faut savoir que le livre audio est sorti en même temps que le livre papier et c'est le lecteur du livre audio qui est venu lire un extrait. Azra est venu faire un discours pour remercier tout le monde pour la sortie de son roman. On a bien mangé et le serveur arrêtait pas de rire parce que n'arrêtait pas de l'arrêter à chaque plateau pour prendre des vidéos. Bah du coup, ça s'est complètement transformé en vlog culinaire. Encore une super soirée en compagnie de mes copines et tout ça avec la team Hugo. Pour ce dernier événement, je vous emmène au café Matcha Ochaya pour les nouvelles sorties de Dragon d'Or. À un clic de toi, dis-le à la mer, la lumière entre nous. Tout cela en compagnie des autrices pour une séance de dédicace. On nous a fait 3 bubble tea différents à la framboise, passion et kiwi. On est reparti avec un tote bag et les 3 romans, il y avait aussi un jeu de K-pop et des calendriers. Ils nous ont promis beaucoup de larmes et de rires, j'ai vraiment hâte de lire ces 3 histoires émouvantes. Merci beaucoup de voir, regarder la vidéo.